Bonjour à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Crusader Kings 3 pour la suite du let's play où on joue la Francie. Donc, pour ça grignoter peu à peu, hein, je vais rester dans mes fils qui risquaient de mourir. Il a prononcé les vœux. Ah, il m'a dans les cachots, quelle tristesse. Hérité du comté donc, Potier. Ah, c'est mon fils. L'époux de la potentielle héritière de l'Aquitaine. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, le bouillon au pape. Est-ce que le pape accepterait le fils du fric? Il aime bien. Merci. Mais mon fils a un petit peu d'argent, vas-y. Bien, avec le pape, on a récupéré un peu d'argent pour pouvoir investir. Et ça se construit par ici. Belle foi, je sais pas si c'est cette hérésie là qui se bat chez moi. Ça me plaît pas du tout. Au moment où je construise à Saumur un autre bâtiment ici. Ensuite, prochaine guerre. Est-ce que j'ai des revendications sur quelque chose? Non. Fusil du paysan. On va massacrer du pécor. Vous allez voir, ça va être très rapide. Vu qu'ils veulent que d'un militairement en plus. Voilà, merci. Et on disperse les troupes, pas la peine de leur dire. Ils trouveront bien le chemin vers la maison. Pourquoi? Il y a de l'argent ou pas cette guerre? Oui, il y a de l'argent. On l'a rançonné? Alors toi, si je te rançonne, non, juste faire rançonner. Pas toujours un peu de pognon, voilà. Quand est le province, il n'y a pas un duché ici, duché de champagne, oui, je vais pas me créer la champagne. Je pourrais, hein. Mais ça a l'intérêt. Seigneur légitime, on est en Francie, hein, cocotte. Le Maine, c'est dans le jeu, donc c'est légitime que ce soit chez moi. J'avais pu voir tous les provinces là, ça aurait été plus simple. Regenberg, je sais pas qui c'est un invité. Un petit peu à vous. La Hollande! On va déclarer la guerre à ce type-là, Geld. Lotharingie. Ah, ça fait apparemment... Oh mon dieu. Oh quelle horreur. Quel moyen de récupérer des trucs. Pour l'instant, à la limite, je profite de faire de l'argent. Oh, toi le suivant. Évêque là, fais-moi un claim sur, pas seulement sa voix, mais sur Genève. À tout. C'est le comté. La voix, c'est lui pas, c'est.
Aos, Canavese, Genève, Savoie. J'ai une prochaine guerre, je peux gratter toute la Savoie. J'en profite. Ah! On va renseigner un prisonnier, hein? Isabelle. C'est dans l'argent. On joue. On fiche congé. Vendôme, c'est en cours. Ah, enfin, je monte le château, niveau 2. Ouais, château d'un. Pas hésiter à faire le développement vertical, hein. Et il y a plein plus d'argent qui rentre dans les caisses grâce à ça. Pour son la culture, donc on va l'envoyer à nouveau. La mission du. On s'est passé à la culture bretonne, on va l'effacer. En guerre contre ton seigneur, bien indépendance, mon petit pote. Il va ouvrir les fesses. Comtesse d'Anvers, allez, on va accepter. Au moins les deux prochains, on est un. Mais ça est mort, mince. Je le prends, toi. T'es très doué. En plus, toi. Notre fille, Eleanor, elle a déjà 15 ans. Elles se raisonnent, bon tant pis, elles seront pas éduquées, hein, elles seront un peu coconnes. Même payer 100 balles pour mes. Pour juste l'île de Man, ça fait un peu mal aux fesses. Je fais le duché, ça se passe quoi? Avec du prestige, déjà, c'est sûr. À qui je le donne? Non, je peux pas transformer mes vassaux, faut pas exagérer. On continue tranquillement donc. Là, l'idée c'est on accumule de l'argent, comme ça on pourra développer un peu le pays, les provinces de plus en plus. On développe les provinces. Mais on se porte. Non merci, j'ai pas que ça à faire d'aller la sabler sur Sarthe. On va aller voir Fillon. Oh c'est quoi ça? Pour un pied byzantin, Oups, non, 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 pas non. FDP qui s'est barré chez moi là. Ouais, c'est que le pauvre là, il s'est fait.
D'abord, se fait un peu envahir. Parfait. Ça m'arrange, hein. D'abord, se ouvrir, hein. Par contre, lui, il est énorme. Colosse que c'est, le roi Arnaud. Adultère, tortionnaire, ivrogne. Qu'est-ce que je... D'ailleurs, mon fils, c'est... Isabelle d'Aquitaine. Un peu petite, la gamine. Donc, 41 ans, et elle a 39 ans. Ah, c'est la sœur du roi d'Aquitaine, d'accord, je comprends mieux. Ah bah tiens, on va négocier, on va faire des accords avec Byzance, oui, si on peut améliorer nos relations avec le Basileus. Bon, là ça se passe comment? Bon, tant pis. Foiré. L'Aquitaine. D'ailleurs, pour former l'Empire de France, il me faut quoi déjà? Il me faut beaucoup de pognon, mais bon. De comtés sur 95. Encore 33 comtés. Et 800 pièces d'or. Bon, ça, 800 pièces d'or, c'est pas le plus dur. Clairement, je récupère soit l'Aquitaine, soit la Bourgogne. Un médecin pour la variole. Froid, 14-8. Voilà, encore une fille. Ah, je suis implacable maintenant. D'accord. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Et j'étais un monstre, et vous me le dire comme ça, c'est pas gentil, hein, les gens. Eh, mon fils, il veut se barrer, mais barre-toi! Non, j'ai pas le moment. La fille s'est rétablie. Vous avez appelé ça rétablie? Elle est mourante? Eh, ce teint, les cernes qu'elle a? Il me faut un poste vacant. Ah oui, maréchal est mort. Donc on va trouver un nouveau maréchal. Oh, t'es efficace. Duc d'Eustache. Duc de Bretagne. Je possède également Chartres et la Touraine. Hein. Bon. Diplomatie, donc on est diplomate. Et on va tranquillement attendre. Il n'y a plus qu'à espérer que me... je puisse jouer mon fils de manière à pouvoir. Que ma fille là, puisse hériter.
je sais pas justement, en plus maintenant envoyer le petit évêque là sur Canavès, voilà. Là, pouvoir revendiquer tout ça d'un coup. Un petit c'est niveau 3, niveau 4 même d'ailleurs. Alors la garnison, Luigne. Au mur. Ah, il y a plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? Oh, c'est toujours le bazar. Ah, Novgorod, la Russe blanche, d'accord. La Pologne s'est à peu près formée. Donc divisée. L'Angleterre, ah, l'Alba qui s'étend. Les musulmans sont divisés. La Bastille a éclaté en deux. Foutoir, foutoir. Ah, Byzance qui réussit à peu près à être stable. Et encore, le jeu Byzance et tout ça. Hein, donc, ils sont loin. Ils ont occupé tout leur empire. Ah, quoi que là, c'est bien. Hein. Un petit morceau de Byzance dégueulasse. Non, pas déclare tout de suite. Je le disais, je m'en déjà pour mon domaine. Saumur. Et Saumur, je vais peut-être construire ici un truc. À la fin, c'est 1,3 par mois. Et toi, à la fin, c'est... Allez, ça coûte cher. Et on peut pas construire un truc si... Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Le duché, carrément. Pas juste compter. C'est quoi, c'est la proba que je puisse faire... Plutôt pas un duché carrément. Alors. Accepté, bon, je boucherai pas. Ah, il faut un bon intendant. 8, 7, 5, 3, 14. 14, c'est le meilleur. On va développer un petit peu le développement, parce que c'est qu'à 11. 11 sur 100, ah oui. Ah, Navarre se fait éclater la pauvre, c'est triste. Maintenant que je suis roi, il est mort pour mes revendications. On le sait, on le sait. Tellement hâte de pouvoir récupérer. Oh, c'est la guerre là.
Le duc Thibaut de Bar. J'ai dit le duc de Bar. Viens pour ta guerre. Rends-moi fier, abruti. C'est bon, il démarre. Garde hanséatique. Oh, les coups du Mercos, parfait. Ce jeu est génial, c'est juste que des fois qu'il faut un petit peu attendre, il faut être un peu patient. Récupérer Bar et Rethel. Hein. Oui, tape sur cette armée là, mais qu'est-ce qui est con? C'est bête de voir. C'est affligeant de voir l'IA être aussi stupide à ce point-là. Ah, les gars, terminé. Auguste est très pratique comme trait, donc on va essayer de le prendre. Je vais continuer à jouer avec la diplomatie avec ce personnage, après tout. Je veux un duché, abruti fini. Je vais déclarer la guerre à cette garce. Oh! Pour la question de mon allié. Attendez, on va regarder un petit peu. Peut-on la vassaliser? Eh, ce pays est éloigné du moi, mais du mien, mais on est côté des rigoles, mon gars. Bon bah, pire, on va tranquillement attendre. Ah bah la frisonne, là, on peut toujours les défoncer. Il va. Seigneur Natal. Parce qu'il faut que je, il faut que je paye 300 balles pour la côté de la cour, la garce. Non, mais je vais pas me taper un duché entier si c'est pour une petite Bavière en plus. Jamais parce que il est à présent à mon trône, mais rien que ça, gars. Ouais, je prétends à ton trône, bien sûr. Il me dit d'aller faire voir sans que tu le prennes mal, mon gars. Je vois pas avoir justement un évêque qui serait un peu mieux que ça. D'avoir un meilleur évêque, hein. Ah. T'as la duchesse ennemie. Puis-je racheter la garce? Au pire, on la chope, je veux dire 100%, on peut toujours la revendre. Hein. Rançonner, ça fait combien?
une faveur, c'est tout. Pas contre... Attendez. Moi, je veux bien et... Ah, pas de thunes. Ah, je comprends pourquoi. On va laisser tomber, on sait quoi. Plus percé. Hop, le vassal, il a ce qu'il voulait. Et tiens, et toi, tu me devais une faveur. Et regarde. Moi, 50 balles. Pas tout. T'as tout compté, non? On peut commencer à faire des guerres saintes là-bas. Duc de Geldre. Ah bah voilà! Là ça me plaît! Maintenant que j'ai une province là-bas, que j'ai un gars qui a des provinces chez ce FDP, on peut le vassaliser! Alors carrément tout ce machin là qui ira dans le royaume de France. Oh le Brabant! Brabant qui va se fracturer le pauvre pays. On peut massacrer deux armées d'un coup là, on va se faire plaisir. Hein. J'arrive. Et je les massacre, les barbons sont. Et on va gentiment aller par là. On prend Geldre. Il y a trois baronnes ici. Et on aimerait bien y aller avant qu'ils me prennent le siège, le petit con. Bien, on va renseigner ça, c'est toujours 10 pièces. Ça fait même pas un mois de salaire, mais bon. Mieux vaut ça que rien du tout. On va essayer de choper les interceptés avant qu'ils ne puissent rejoindre leur ami. On va choper l'héritier. Bougez pas. Je vais pas payer 100 balles. On va renseigner le fils. Et je vais occuper de reprendre la ville là-haut. Ils sont morts, hein. il y a plus nombreux. C'est juste, mais bon. Au final, c'est une victoire. En ça. Il faut que tu me fasses un duché, abruti fini. On va harner maintenant, suivant. Il peut mourir. Au moins, le complot n'a pas été découvert. Il sait qu'il peut mourir, mais... On va prendre deux comptes. Il y a la guerre avec plus d'argent que quand je l'ai commencé, au final. Pratique les radias. La dernière province de Geldre est ici. Groningue. Voilà un enfant. Bon, 100%, allez hop. Voilà. On va tout disperser. Donc,
On va s'emparer de la province. Parfait. On peut vassaliser ce petit FDP. Ah, mais ça coûterait beaucoup trop cher, par contre. La Hollande. On paye à lui, hein. Bien de gloire. On a vassalisé en plus ce truc. Les paysans sont gentils, hein. Merci les paysans. On va espérer le tuer, lui. Et on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir, à la prochaine, et salut tout le monde!